Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure sur Resident Evil 3 Remake. On est toujours en live et on vient de récupérer Jill. Je suis frustré les gars de ne pas avoir pu récupérer tout ce qu'il y avait dans ce bureau là. Parce qu'en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que... Merci beaucoup Coco qui sub avec Twitch Prime, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Je rappelle que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub gratuitement, vous avez un sub offert par mois, n'hésitez pas. Ouais, en fait, c'est juste que je voulais fouiller la fin du couloir avant de rentrer... avant la cinématique, la grosse cinématique. Il restait des trucs dans le couloir à fouiller, c'est pour ça qu'après j'ai voulu ressortir la pièce, mais ça m'a tout coupé. Bref, tant pis, j'ai envie de dire trop tard, de toute façon. Donc voilà, comment je sors de là? Là, comme ça. Très bien. Est-ce que tu seras à la Mangame Game Show? Pour l'instant, non. Non, non. Cette année, les conventions vont être beaucoup plus calmes avec tout ce qui se passe, de toute façon. C'est beaucoup plus calme. Alors j'ai récupéré toutes mes armes, au fait. Ouais, j'ai récupéré toutes mes armes, et ça, c'est nickel. Alors attends, on va tout recharger. Voilà. Hop. Ok. On est pas mal. Alors attention. On va voir un petit peu ce sur quoi on tombe. Ah, c'est là où il se parle. Mais attends, parce que moi j'ai besoin de prendre tout ça. Ok. Ah, le jeu est très très beau. Hein. Le jeu est magnifique. C'est des mines. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que ça dit ça? Nouvelle arme pour l'UBSS. Alors, bonne nouvelle les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon, des mines pour lance-grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella, et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux. Bon, elles sont difficiles à dégoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout. Allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec le lance-grenade standard, alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre un mur ou sur le sol, et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Bon à savoir ça. Faire un piège et tout. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et obtenez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir saloperie. D'accord, ok. Très très bien. Ok. On avait des choses. Attends. On avait des choses là-dedans ou pas? On avait le coupe-boulon, mais le coupe-boulon on peut le jeter en fait. Attends, on va le prendre et le jeter, il ne me sert plus à rien. Hop. Non. Hop. On va faire ça. Et le jeter. On n'a pas des choses à combiner ici. Non, on a le spray, on a ça que je peux pas combiner. Hein. Ça, bah non plus. Donc pour l'instant, on est pas mal. On va save. Hop là. Tranquillement. Voilà. Et du coup, on va. Oh. Il nous reste des mines. Elles s'accumulent ou pas? Ouais, c'est bon. Donc j'ai 4 mines. Donc au cas où on tombe sur une grosse bête. On est où là? Du coup, on est dans les couloirs du métro. Alors attends, parce que là. Ça c'est pratique pour se retourner. Je l'utilisais pas au début, mais depuis que j'ai découvert, c'est pratique. Ça et ça. Ça c'est pratique aussi. Donc on va s'en servir, je pense. Pour l'instant, on va rester. Je pense que pour l'instant, on va rester sur le petit gun. On va éviter de dépasser toutes nos mines. Sauf quand vous êtes nombreux comme ça. J'ai trop envie de tester les mines, mais. J'ai pas envie de les dépenser pour ça, mais il faudra qu'on teste les mines. Ah, il meurt. Ok. Est-ce que lui est mort? Je crois que oui. Lui. Lui, oui. Et lui. De toute façon, eux, ils ont la tête éclatée. Donc, en vrai, il y a quand même pas mal de chances qu'ils soient morts. Je vais rajouter s'il n'y a pas des petits trucs. Oh! Succès déverrouillé, bonjour Charlie. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Je suis sûr il y en avait plein d'autres petits cachés. 100% il y en avait des petits qui étaient cachés ou quoi, je suis sûr. Ouais, désolé, je peux pas répondre à tout le monde, j'essaie quand même d'être focus sur le jeu. Je vous invite à aller voir la FAQ qu'on a fait tout à l'heure en live. Putain, mais je leur dégomme facilement la tête là ou c'est moi? Wow, Glenn, 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 recule. On recule. Tu recules. Voilà. Ok, ça c'est. Ouais, c'est des collectables. Tire dans le haut du crâne, je crois que ça one shot. Bah, j'ai l'impression, ouais. Glenn, il a dit. C'est pas de ma faute, je suis trop focus sur Walking Dead en ce moment. Pas de ma faute, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Toi, t'es mort? Toi, t'es mort, ok. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, allez, continuons. Hop là.
C'est, il a trop regardé Walking Dead. Bah ouais. En vrai, on avance bien. On a découvert Eustache. Eugène, pas Eustache. J'aime bien l'appeler Eustache. Échapper à la créature. Oh putain, ça y est, ça commence. Bon. C'est beau, hein. Prenons 2 minutes pour admirer. Avant de se faire déglinguer la gueule dans. Attendez, par contre, je suis vraiment en plein air là. Il va y avoir plein de trucs à explorer. Vous êtes à quelle saison? On est fin saison 4. Genre milieu, fin saison 4, je crois. Ce soir, on finit la saison 4, je pense. Donc ça va en avance. En vrai, on a démarré il y a une semaine. Propre, quoi. On est en confinement. Qu'on regarde la télé. Hop. Avançons. Hâte que la bête arrive. Je prends ça. Je peux pas le combiner pour le moment. Merci Lara pour ton resub. Coucou Steve, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien pour toi. Bon live à tous. Merci beaucoup Lara pour ton resub. Ça va très bien. Écoute, tout va bien. Tout va très bien. On avance cette aventure bien sympathique sur Resident Evil. Et donc tout va bien. Tout va pour le mieux. Là, on est bon. Alors, je sais pas. Non, on est toujours avant. On est toujours dans la première des 2 journées. Oh putain, il arrive. Je crois. Puisque c'est à la suite du métro. Donc on est toujours avant RE2. Putain, il crame. Il sait nager ou pas? Ah, c'est là, donc là c'est la scène où nous on était. Oh merde. Oh putain. What the fuck, il s'est transformé en quoi là? Il s'est transformé en quoi? Run, 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 run. C'est Godzilla le truc! Cours! Saute! Le gars, en fait, quand il va dans l'eau, il se transforme en amphibien. Putain, quel bordel. Merci GamerClem. Si je t'envoie ce don, car j'adore tes vidéos et ta chaîne. Bon courage pour le confinement. Merci beaucoup GamerClem, c'est adorable. Merci beaucoup. Oh la vache. Donc ça va finalement le son, vous voyez? Yes, alors. Yes, alors. Donc là, ça va être le moment de prendre les mines. Ok. Ça le touche. Ok, ça le touche. Ça le touche again. Ça le touche, j'en ai plus. À partir de là. Mort? Non, je suis pas mort, mais. Recharge, recharge. Je suis comment? Je suis en attention. Ouais, alors, le problème, il est que là, j'ai plus que des petits guns, hein. What? Je suis en vie? Attends, comment c'est possible? Putain, y a des armes là, j'avais pas vu. Comment c'est possible que je sois en vie? Sinon, tout va bien. Grenade incendiaire, run, 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 run. J'avais pas vu qu'il y avait plein de trucs. Ah, je l'ai bien amoché quand même, non? C'est bon là? Toujours pas? Les gars, au bout d'un moment. Je t'ai mis je sais pas combien de grenades. Il se casse. Non, pas du tout. C'est un chien. Bah tiens. Couché. Dors, va dormir. Je fais quoi? Faut vraiment que je le... Yes, génial. Je suis ravi.
Oh là, c'était beau. Oh, des plantes! Combinaison! On craft en même temps! Go! On se soigne! Tu vas voir! Ah, bah il est mort, ça y est! Enfin, il est mort! Ah non, attends! Yes, salut! Yes, 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 salut, comment tu vas? Tiens! Parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus de balles, hein! Ah, il s'agirait peut-être de... Il s'agirait peut-être de faire un truc. À moins qu'il y ait encore des... Attends. Ah mais oui, regarde. Cartouche. Incroyable. Parfait, vas-y, recharge tout, recharge tout. Là, on a les cartouches de fusil à pompe. Ouais, d'accord, ok, j'ai tout. J'ai absolument tout. Voilà, on prend ça. Vas-y, prends, prends, prends. Recharge, recharge, recharge. Là, dans la bagnole de flic, il y a quoi? Il y a des mines, parfait. Hop là. Ici. Il y a des mines. Fais toujours le tour. Tu fais quoi? Yes, salut. Non, parce que au bout d'un moment, gars. Moi, je veux bien, mais. Mets des mines sur les murs. Il va se les prendre et retomber au sol. J'avoue, c'est pas con. Oh putain. J'avoue, c'est pas con. Oh putain, il va péter avec moi. C'est bon. Je peux me soigner? Je peux me heal? Je peux utiliser que ça. Ok. Vas-y, vas-y, il commence, il commence, il commence. Saute. Effectivement, on va rigoler. Vous êtes prêts? Oh le bâtard! Vas-y! Bim! Ah, et c'est là qu'il faut que je tire. C'est là-dessus qu'il faut que je tire. Ok, vas-y. On repart en courant. Olé. Non, là, ça lui fait rien. Là, faut que je le calme. Le jeu est sorti hier. Non! Je l'ai mis dans la bagnole, dans la... Vraiment, je l'ai mis à l'intérieur du carreau. Est-ce qu'il va péter? Oui, c'est bon. Ah non, parce que là... Putain, le mec point faible, trop précis. Allez, casse-toi! Je sais même pas si c'est utile de lui lancer ça comme ça, mais je crois que oui. Ok. Allez, pars en courant. Je te le mets dans la gueule, là, quand même. Oh! Oh, ce massacre en règle. Tu dors. Ah, oh, je te jure. Carlos, t'es là? Bonjour. Je ressors d'un petit combat. Bon chien. Ouais, attends, parce que il reste pas des petites munes et tout à prendre, parce que là, mine de rien. Ah, ce combat était stylé. En vrai, on maîtrise mieux le jeu qu'hier, hein, quand même. Tu sens que ça va mieux. Tu te relèves pas, j'ai dit. C'est ça, c'est genre vraiment, reste au sol. Genre, j'ai pris ici. J'étais venu prendre ici. Ah ouais? Bon. Ça passe. Ah, par contre, franchement, ils m'ont carotte toutes mes munes, mais d'une force. Attendez, je vais recharger tout parce que là. Je vérifie, je fais juste un tour, voir s'il n'y a pas, mais je crois qu'on est bon. Bon, ça, j'ai plus de mines, mais. Mais ça va. C'est bon, tu vas se coucher? C'est Godzilla le truc, hein. Il va se relever, 100%. Quelle est la probabilité? Allez, on a compris ce qui va se passer. Bim. Ah! Dégueulasse.
Dégueulasse. Oh, le truc est increvable. C'est genre il se régénère et tout. C'est Majin Buu le truc en fait. Prends la forme qu'il veut. Allez, boum, salut. Ah. Et toi, bien sûr, il t'obéit. Non. Du coup, ça va le son du jeu, au fait? Yes, génial, Devo, merci. C'est très dans l'ambiance, les Sims 3. C'est très dans l'ambiance, les Sims 3. Du coup, on sait pas trop si... Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. Oui. Bon, très bien. Son dialogue est faible. Ah bon? Je comprends pas, c'est les mêmes réglages qu'hier pourtant. Si un modo peut me donner son avis, mais... En fonction, on adaptera. Ouh, ce combat. Ah, et je pense que c'est là qu'on va passer sur le jour d'après. Pour moi, c'est un peu faible. Ah, je vais augmenter alors. On est toujours le 29 septembre. Attendez, on était le 29 ou le 27 septembre la dernière fois, je sais plus. Il me semble qu'on était déjà le 29 septembre. Ouais, là elle se prend une piqûre et là elle peut crever. Ouais, je sais. Je peux pas, ok. Bon, très bien. Il va falloir qu'on la sauve, quoi. Mais je suis d'accord que c'est un petit peu. Mais bon, après, ce que je disais hier, c'est. Malheureusement, t'es obligé de faire comme ça. Mais c'est vrai que dans les faits, elle se prend des coups à H24, quoi. Bon, reste ici. Oh. Tiens, vas-y, attends-toi, ressors toutes tes armes. Hop, recharge tout. Ok. Très bien. Un petit peu bas, alors attendez, je vais vous arranger ça. Bougez pas. Je vais... Voilà. J'ai monté un petit peu le son du jeu. Vous me direz. Après, je pense que pendant les phases de combat, ça doit être plus... Mais bon. Vous me direz ce qu'il en est. 28-29 septembre, RE3. 29-30 septembre, RE2. 30-30... 1 octobre, RE3. Ok, ouais, très bien, ouais. Oui, c'est donc ça se passe un peu avant et un peu après. RE2 est au milieu, quoi, c'est ça. Bon, alors. Il faut qu'on trouve des choses. Des munitions, on prend. Des sprays, on prend. Ça, je peux pas... Je sais pas pourquoi j'ai le son du truc en double quand vous me faites un don, c'est trop bizarre. Merci beaucoup Limoun, ça fait longtemps. Dis voir. Merci beaucoup en tout cas Limoun, merci beaucoup pour ton e-sub. Du coup alors attendez, au niveau du chambre tempo, donc elle est là, donc nous on va aller là. Est-ce que je peux ouvrir cette porte là? Je peux pas, il y a un ken. Bon, on va aller dans cette porte là. Ok, allez. Ouais, ça one shot pas forcément le fait de tirer sur le haut du crâne. Après là, il y a pas mal de recul sur cette arme là. Donc bon, on va éviter non plus de trop. C'est bon. De trop en user, mais en général on en trouve assez facilement quand même. Brochure de l'hôpital Spencer. Le cœur des mémoires de santé de Raccoon City. L'hôpital Memorial Spencer a été créé par la fondation Spencer pour être le centre névralgique des soins médicaux de toute la région. En plus d'un service de consultation externe ultra moderne et d'une aile d'hospitalisation spacieuse, nous sommes fiers de disposer de l'une des plus grandes unités de recherche du pays, dans laquelle nous conduisons des essais cliniques sur de nouveaux traitements qui révolutionneront la médecine à travers les États-Unis et le monde. Très bien. Vous me direz si ça va mieux, hein.
niveau du son. Il est temps de mourir. Yes, yes, c'est tame. Incroyable. On est bon, messieurs? On va d'abord aller dans cette porte. Alors, je t'explique. Dans un souci de cohérence, t'as Jill qui est allongée à côté avec le crochet. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Réponse A, retourner dans la chambre, lui emprunter le crochet et ouvrir la porte. Réponse B, faire le tour de l'hôpital avec des zombies partout pour essayer de trouver un deuxième crochet. Que va choisir Carlos? Réponse B, on va faire le tour de l'hôpital alors qu'il y a un crochet dans la chambre d'à côté. C'est pas grave. C'est pas grave, mais je constate. Je constate qu'il y avait plus simple. Dégage! Dégage, on a dit. C'est bon, t'es morte, toi? Ou pas? T'étais pas morte. Le truc qui me fera toujours rire dans Resident Evil, dans tous les Resident Evil. Quand t'as un zombie qui est à terre comme ça, pour te signifier qu'il meurt, il refait un truc genre en mode oh! Et là, il bouge plus. C'est toujours un peu en mode yes. je peux pas combiner des trucs là d'ailleurs, je crois. Ah non, 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 je peux pas. Moi, j'ai pas mal de soins en vrai. Je peux pas passer par-dessus ça. Tac, 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 tac. Bon, bah, très bien. Quand tu vises le front, tu les tues en une balle. Ouais, c'est chaud, hein, des fois en mouvement. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt plus ou moins aléatoire. Hein. Des fois, il y a des balles qui tuent. Des fois, non. Yes, il faut un crochet là aussi. Hein. Évidemment qu'il nous faut un crochet là aussi. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est là que je vois? C'est dehors? Yes, c'est bah, c'est une malle dehors. Attends, j'arrive de là, moi? Oui, j'arrive de là. Autant pour moi. Je préfère vérifier, hein. Déjà que j'ai raté les trucs avec lui tout à l'heure. Je préfère m'assurer qu'on est bon. Tu vas pas te relever, toi? Non. Très bien. Ça m'avait manqué un bon jeu sérieux et tout ces derniers temps. J'étais beaucoup sur du friendly. Mais ça m'avait manqué un bon petit jeu comme ça aussi, un peu d'horreur, machin et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu un peu plus mature. Bah... lecteur de cassette. Ok, ça pourra me servir. Ça pourra servir. Attends, mais c'est immense le truc. Je veux pas dire, mais c'est vraiment... Combiné. Je vais faire FF7 remake. Ouais, je pense. Je pense que oui, je le ferai. Note d'infirmière. Chaque jour, on reçoit de nouveaux patients atteints de cette mystérieuse maladie. Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire, alors nous avons recours aux camisoles de force pour les déplacer vers l'aile d'isolement. Le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes. Mais qu'espère-t-il que nous fassions? Leur souhaiter d'aller mieux? Nous n'avons aucun remède. Et c'est pas tout. Lorsqu'un patient décède, il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles. On nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager. J'ai un peu de mal à y croire. Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps lors de son service de nuit. Où l'ont-ils emmené et pourquoi faire? Que se passe-t-il ici? Bah, c'est quoi? Ils les incinèrent? En gros, je sais pas. On va où là? À gauche ou en haut là? On va ouvrir cette porte déjà. Ah, mais je peux pas ouvrir cette porte, c'est ça? Je peux pas, il faut que je mette. Est-ce que la cassette ça marche? Non. Dr. Okay. Ward, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. Donc on va ouvrir cette porte là. Voix non identifiée. Yes. Et on va passer. Oui, il y en a beaucoup là. Pardon. Oh. Tu vois? Et là dans le front, j'ai pas l'impression là de mieux viser cette fois. Et pour autant. Yes, super. Yes, super, j'adore. Yes, j'adore. Putain. Dégage-le. Oh, je me suis fait gangbang. Mais d'une force, d'une violence, que je me suis pris sur la vache, je suis rentré et ils m'ont tous sauté dessus. Sérieusement? Attends. Attends, quoi? Sérieusement? Genre, faut tout que je re-récupère? Bon, en vrai, on n'est pas loin. Parce qu'on a pris le temps de fouiller, mais... vraiment?
C'est un critical shot, t'as un pourcentage de chance. Ouais, c'est ça, non mais ouais. Mais putain. Ah, ce qu'ils m'ont mis là. Hop. Alors, c'était bien dégueulasse. Bah ouais, c'était bien dégueu. Puis j'étais en mode, est-ce que ça a passé, est-ce que ça a pas passé, je sais pas. Bah, vous savez ce qu'on va faire. On va pas s'emmerder longtemps, je vous le dis. Yes, super, ça n'a pas marché. Ouais, alors par contre, faudrait éviter de me refaire la même chose. Mais en fait, ce que je voudrais... Yes, super, je me retrouve dans la même merde. C'est génial. Vas-y, avance. Ok, c'est bon. En fait, je voulais passer. Je voulais juste passer, quoi. Ok, c'est bon. On passe. On prend ça. On va utiliser un soin, hein, tout de suite. Et puis, on va avancer. Ça va le faire. Mais ouais. Il y a tellement de... Oui, ça, je peux pas ouvrir, ça va. Ce qu'ils m'ont mis, la vache. Hop. Bon, en vrai, ça va, parce que regardez. Parce que c'est vrai qu'en fait... En fait, je suis lent un peu, non? Je sais pas. Regardez, on est déjà revenu finalement. Hop, 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 j'avais pas fouillé ça. Ah non, je peux pas sortir. J'arrive pas à savoir si je suis lent lors de mes premiers passages ou pas. Regardez, je suis déjà revenu. C'est juste que je fouille tout bien, je lis et tout, donc voilà, mais... En fait, c'était à 2 minutes, quoi. Même pas. Donc là, vous... J'ai pas une grenade. Si. Voilà. Au moins, on sera un peu plus tranquille. Je pense. Ah, il risque de se relever, hein. Oh putain! D'où elle sort? Je l'ai pas eu! Dégage! Yes, c'est aim encore une fois! Les autres ils se relèvent pas, moi. Bon. Yes! Elle m'avait fait peur! Elle m'a fait peur à sortir du truc, The Grudge! Elle m'a fait peur! Putain! Je l'avais pas vu! Elle s'est relevée ou quoi? J'ai pas bien vu d'où elle est sortie, mais. Munitions, ouais, bah là je vais en avoir besoin, ouais. Tu parles? Quoi? Vous vous relevez pas? Toi tu. Attends, parce que lui, en vrai, il me donne envie. Regardez, il y a un cadenas et tout derrière sa porte. Je peux pas open? Yes, je l'avais entendu. Non, mais vraiment! Je t'ai même remis une balle quand t'étais au sol. Comment c'est possible que tu sois encore là? C'est bon, là, non? On peut pas ouvrir cette porte. Non, je peux ouvrir cette porte. J'aurais bien voulu venir voir ce qu'il y avait là. Bon, il arrivera sûrement à ouvrir à un moment donné. Là, c'est fermé. Ouais, là, c'est fermé, de toute façon. Ah oui, d'accord, je vois où on est à peu près. Oh, le petit nounours. Là, c'est ouvert. Enfin, on est sur une autre partie de l'aile du truc. En vrai, dans les hôpitaux et tout comme ça, c'est flippant. Vas-y. Ah, il peut pas. Très bien, il peut pas. Bon, bon, on va aller voir ici. C'est un bon gros labyrinthe des familles. Hein. Je crois qu'on a raté, mais je crois qu'il y a un mort qui est tombé en fait du plafond. Mais on a raté en passant. J'ai regardé à gauche voir s'il n'y a pas un truc. Oh, ça devient glauque. Hein. En vrai, au début, c'était pas très glauque parce qu'on était dans la rue et tout. Et là, ça devient un peu bien glauque. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est... Ouais. Pas qu'il y a des références à Megaman. Il paraît, mais j'en ai pas vu pour l'instant. Après, je suis pas un Megaman pro non plus. J'aime bien Megaman, mais je suis pas un énorme pro. Okay. Je vais toujours dans les coins, voilà, pour ce genre de truc, tu vois. Je vais toujours dans les cul-de-sac pour voir s'il n'y a pas une ou deux trucs qui traînent. Putain, mais ça c'est ouvert dans tous les sens, on peut fouiller toutes les pièces. C'est une safe zone, ça. Ouais, c'est une safe zone. Nice. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Une petite safe zone, là, je dis pas non. Munitions, nanana, nanana, là, on a une plante. C'est parfait. Attends, il n'y a rien d'autre. Donc, on peut combiner. Hop. Hop, très bien. Et on peut save surtout. Et ça, ça n'a pas de prix, mesdames, messieurs. Et du coup, je pense que pour la rediff, on va encore une fois s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Le live, bien évidemment, on continue encore un petit peu plus. Mais au moins pour la rediff,
Eh bien, ouais, une safe zone dans RE3, on se comprend. Mais pour la rediff, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On a un petit peu avancé, et puis on se retrouve à bientôt. On se retrouve à bientôt, ça veut rien dire, vous avez compris. On se retrouve bientôt pour une prochaine rediff. Ciao!